sur Squeak, puisque cette rencontre entre la SIG en maillot noir, comme vous pouvez le constater, un maillot noir en mars pour lutter contre les discriminations. Numéro 3, avec les applaudissements d'Urénus, à vous tout le monde. C'est parti Urénus dans cette 24e journée de Betclic Elite. Perdu par Jean-Baptiste Maille et Sekou Doumbouya va pouvoir enchaîner avec un bon Thomas. C'était dans la saison 2019-2020. Et tout de suite, Boris Dallot. Cooper qui décale parfaitement Kadri Mohendadze. Pour l'homme à tout faire. De Strasbourg. Oh, délice entre les deux meneurs, DJ Cooper pour Antonio. Et qui continue de s'envoyer, Paul Lacourbe, c'est sublime, en passant au-dessus de Yanis Morin pour terminer. Paul Lacourbe. Tyrus McGee, bah, il avait très très bien démarré le match. Il part sur le même... À l'opposé, Paul Lacombe qui fait sauter Jordan Tucker avant de lui mettre. Nouvelle pas décisive de DJ Cooper qui fonce vers le record de la saison. En cours, le ballon qui a été touché cette fois-ci. Yanis Morin qui aurait presque pu le récupérer. Finalement, la contre-attaque strasbourgeoise avec Paul Lacombe et la passe aussi délicieuse. Plutôt bon dans la première mi-temps. Antoine Dio, quel shoot d'Antoine Dio en déséquilibre. Petit coup de peur pour Kadri Mohendadze qui a feinté, qui s'est reculé, se met derrière à 3 points. Ce n'était pas une mauvaise idée, mais ça a donné une relance facile à la SIG et quel contre de Sekou Doumbouya. Antoine Dio, il a l'accès au cercle facilement, Antoine Dio. Oh, il a préféré la passe décisive pour Sekou Doumbouya. Allez, la SIG. Ce match est intéressant, on se rend les avantages et Léo Cavalière se sert chercher un second souffle. C'est le jeune Alexandre Bouzidi qui lui apporte. Allez, ouf, Vernezier Moux. 69-65 pour les Strasbourgeois avec ce dernier Léo Philbouf. Yanis Morin va aller dans le coin. Jordan Tucker, oh, quel gros shoot, quel gros tir de Jordan Tucker. Son premier tir à 3 points du match. Il n'a pas vraiment scoré ce soir. Oh, quel alley-oop encore. Philbus, Nezir Brook, ça marche parfaitement. Énorme colère de Massimo Cancellieri. Son équipe qui était arrivée à se ménager. Paul Lacombe qui préfère aller vers la ligne de fond. 7 secondes restantes sur cette possession. Cooper pour Doumbouya. 17e passe décisive. Thomas Magui avec Jean-Baptiste Maille. Il reste 3 secondes. Jean-Baptiste Maille qui monte et qui marque. Ah, c'est fini. Ah, quand Jean-Baptiste Maille met ses 3 points. Ah, quelle belle trajectoire, ce tir de Jean-Baptiste Maille. Les Alsaciens. Derrière leur maître à jouer, Paul Lacombe, qui va parachever l'œuvre. Attention à vous, à vous. Ouais, quand même une interception, et là, ça va être du gâteau pour DJ Cooper dans cette dernière minute. Et la pas décisive pour finir avec le dunk de Léo Cavalière. Ça avait été très serré, ça avait été délicat. C'est Sekou Doumbouya qui va lui aussi se faire plaisir pour un dernier panier. Tout le monde a arrêté de jouer évidemment. Et Paul Lacombe qui va laisser le chronomètre se dérouler.
Match terminé au Rhénus pour démarrer cet après-midi basket sur Squeak. Large victoire de la SIG Strasbourg, la 12e de la saison. Strasbourg qui revient à l'équilibre.